Hey, salut tous et bienvenue dans cet épisode 116 du mode hérétique de The Binding of Isaac Afterbirth. Ouais. Et comme ce que j'avais prédit, comme ce que j'avais prévu la dernière fois, on va donc se faire le dernier des challenges, qui est Unholy. Voyons voir. Oh, j'ai une bonne stat. Des bonnes stats. Voltic Cell, Curse of the Labyrinth. Waouh, ok, donc faut aller jusqu'à Mega Satan. Ah ok, je suis The Lost, donc, d'accord. Je suis The Lost, j'ai le Necronomicon. La marque. Le pacte. Et Dark Matter. Ok, bon bah on va tenter. On est en hard. Et on se dirige donc vers Mega Satan. Ah, oh, il y a des item rooms. Nice, pas mal. Ah, c'est pas le pacte, c'est le contrat from below. Ah bah, j'hésite même pas. SMB super fun. Unholy, donc. Ok. Meurs. Merci. Je ne prends pas ce trinket. On va péter les flammes quand même. Donc une run The Lost quoi. Un The Lost OP en fait. C'est pas mal. Le combo de départ est plutôt cool. Bon après ce qui fait peur c'est forcément d'aller vers Mega Satan mais... Si on se démerde bien... Ça devrait le faire. Puis bon, on a quand même reward x2 sur les items. Hein. Alors. Ouh, nice. Télépills. Moins nice. Ça, j'ai TTP en dessous. Bah, ni l'un ni l'autre en fait. Vu que je vole, je vais pas prendre le Ball of Enchain. Parce que ça me niquerait les. Comment dire. Ça me niquerait les cailloux dans lesquels je me cache. Donc, c'est pas vraiment le but. Voilà, c'est exactement ce que je cherchais, c'était une clé. Ah, mais on va ce qu'il y a dans le shop. Oh putain, oui, il me faut tout ça. Il me faut tout ça. Il faudrait les deux, putain. Je pense que je vais quand même privilégier le homing shot. Parce que ce serait plutôt craqué. Il y a un rocher X là. Hop. Avec un cœur gris, oui. Bon bah donne-moi une pièce enculé. Putain. Pièce dans les flammes. S'il te plaît. Ah attends, il y a une pièce là-bas. J'avais pas vu. Ah oui mais non, c'est la pièce où il me fallait une bombe. Fuck. Ah ta mère. Faut une bombe. Ragman. Le jus de Jésus. Oui. Monstre du coffre là, il s'est déjà bouffé un peu. Ça va vous faire plaisir. Il y a un autre rocher X là, mais... Le problème c'est que si j'ai une bombe, bah, je vais l'utiliser sur la pièce. Quoi. Il me faudrait la carte The High Priestess, mais ça m'étonnerait que j'ai une carte de drop. Là.
On va voir. Pièce connard. Fils de pute. Attends, remarque, il y avait pas une bombe à moitié prix au shop? La bombe qui sauve, quoi. Spoonbender, du coup. J'aurais pu prendre l'autre, mais je sais pas. Spoonbender, je le sens bien. D'ailleurs, en fait... Ouais, c'est bon. Ouais. Spoonbender, je le sens bien. Curse of the Maze. En tout cas, c'est très cool qu'il y ait des item rooms. Ok, servir. Genre pour ça. Ah. Meurtre. Un counterfeit penny, nice. Ah, en plus ça me donne un item, si ça c'est pas génial. Infamy! C'est très très bon pour The Lost, ça. Enfin, The Heretic, hein. Vu que... C'est The Heretic. Polycephanus! Je mange. Ouais, dégage. Et le safety pin. Ouais, écoute. Why not? On n'est pas ça prêt, on va un peu fouiller, hein, écoute. On va prendre notre temps pour ce run. Parce que si on peut avoir des pick-ups sympas. Ce serait sympa, voilà, simplement. Si on peut avoir des trucs sympas, ce serait sympa. Alors, deux clés, genre ça, tu vois, deux clés, c'est cool. Genre ça, tu vois, la super secrète qui se dévoile toute seule, c'est cool aussi. Surtout si un de ces deux coffres me donne un accès au deal. Non. Alors, du coup, bah... Ouais, écoute... Je serais bien tenté par continuer et essayer de trouver le shop, c'est jamais. Je peux peut-être avoir deux pièces dans le tas. Ou une qui m'en donne deux, quoi. Ce serait plutôt cool. C'est une qui donne une, mais... Chop. Ouais, les bombes caca. C'est pas mal, les bombes caca. Voilà, ça valait le coup de venir. Hey, j'ai eu un item pour quasi rien, quoi. C'est plutôt cool, hein. Et la secret est peut-être là. Non. Oh, peut-être là, alors. Trois pilules, là. Range up. Le cup. 48 hours energy. Perse. Ok. Que des bonnes pilules pour l'instant, donc c'est cool. Bon, on va voir ce qu'il y a. Ah, ça vaut peut-être le coup. Ce
Ça aurait pu valoir le coup, mais... Ah si, quand même, j'ai gagné de la clé. Bon bah c'est sympa. C'est sympa. Allez, direction l'étage suivant. On est plutôt bien, hein. J'ai pas l'impression de jouer The Lost. Enfin, The Lost est tellement agréable avec l'Holy Mantle aussi. Grave 2. Allez, hop. Item. Eden's Blessing. Génial. Étant donné que dans la run que j'ai fait l'autre jour, là, j'ai eu de Eden's Blessing avec Jaina. Étant donné que là, c'est un challenge, est-ce que j'aurai deux items random la prochaine fois? Peut-être. Pas mal. Très bon coffre. Ouais. Ça se tente. Ça se tente le boss challenge. Voilà, et de 1. Qui va être le deuxième? Bon, ça va. Pas dur. Franchement, pas dur. Pas dur, on se met bien. Bon, écoute. J'ai plus de pute, ça. Déjà plus pute. Okay, lui il était bugué. La secret room doit être au-dessus. Logiquement. Non, il est pas là. D'accord. Il aurait pu. On va peut-être là, alors. Non plus. Oh bah écoute. Et vous pouvez donc être cette pute. On va bien trouver le shop, parce que masse argent. Si je peux avoir un Steam Cell dans lui, ce serait cool. Oh, quel dommage. C'est pour ça que j'aimerais bien trouver la secrète là. Attends. C'est de la trouver avant. Elle est pas là. Là j'ai pas cherché là. Mais bon, elle est pas là. Ah bah je ne sais pas. Bah tant pis. On va prendre le Steam Cell du coup. Toi tu vas mourir. Rien de job. Range up. Non. J'ai pas spécialement besoin de clés, j'en ai masse, quoi. Ah, la secrète est peut-être à gauche, là. Pas de monsieur dedans, mais bon. Du coup, le boss, c'est Gardy. Hop. C'est bien Spoonbender pour attaquer les trucs de devant en étant derrière.
j'ai pas réussi là. Hop là, ça a marché. Génial. Alors, un petit deal. Là, il y a un petit deal. Bon, ça sert à rien. Wouah, c'est Krampus le démoniaque. C'est méga Krampus, il a méga évolué. Alors, Berkano. Ok. Ewaz. D'accord. Anus. Et l'autre, c'était Anus aussi, je crois. Ouais. Étage suivant. Ah, oh, on pourra peut-être même regarder ce qu'il y a dans le boss rush, tiens. Avec un peu de chance. Ah non, je suis avec Chamber 1 seulement. Ouais, ouais, ça va peut-être un peu compliqué. Ça va peut-être être limite alors. Hein. Peut-être pas. Ouais, je vais pas le tenter, mais. Death et death. Answers. Ok. Ouais. Non, pas bien. Pas bien le jeu, pas bien. Méchant jeu. Death Touch, pas mal. Vraiment bon ce run. Excellent run pour l'instant. On a que des bons items. Voilà pourquoi j'ai bien fait de prendre... non, on peut y aller gratuitement. Pourquoi j'ai bien fait de prendre le Spoonbender. Push pin, bah non, ça va servir à rien, j'ai déjà des tirs perçantes en fait, donc voilà. Mais c'est grid. Bah, écoute. Yes, mon gars. Le prochain shop sera gratos. Ah, si on peut tenter Hush, franchement, je vais peut-être le tenter là. Hein. Ça me tente. Brownie! Là, ça devient tentant là. De faire Hush. Rien que pour le shop gratos, quoique dans Hush, il n'y a pas grand chose. Bon, bon, j'ai gâché ma seule bombe. Goated, nickel. C'était le moment à l'avoir, quoi. Quoi? Ok, donc Death n'a pas marché. J'ai sûrement fait trop tôt. C'est pour ça. J'ai dû le faire trop tôt. De remarquer là. Oh, ça se tente. Monstre 2 qui est débile. Qui est très débile. Monstre 2 qui est mort. Eh. Cette run est vraiment bien. Hein. Je kiffe. Oh bah merci pour le découvert de la secret, ça fait toujours plaisir. Merci Loki. Range up. Oh, il y a un truc au-dessus. Okay. Regardez, c'est quoi la salle au-dessus? Ok, c'est une salle tout ce qui est plus basique. Fr-
Franchement, le combo est bon. La run est bonne. Tout est good, quoi. Y a rien à dire sur ce run pour l'instant. Si ce n'est que j'ai des chances de mourir à n'importe quel moment. Voilà, fruit. Mais à part ça... Bon, du coup, ouais, le Burn Penny, pourquoi pas. Je dis pas non à quelques bombes. Parce que bon, là, les pièces, ça sert plus, quoi. Bon, par contre, where is le shop? Parce que là, le but, là, c'est de le trouver, là. Hein. Alors, j'ai pas trouvé l'item room non plus, hein, je remarque. Bon, bah tiens. Tout qui est là. Parfait. Alors, Mom Spurs, ouais. Bah écoute. Moi, je prends tout, hein. Bisous. Ouais, Bursting Sack. J'avais laissé le trinket là-bas, je vais le reprendre, parce que... Je peux en avoir deux, donc autant profiter. Voilà. Prout. C'est la môme rouge. Ah bah, facile. On va regarder le boss rush. Mais juste regarder, à moins qu'il y ait un item mais vraiment craqué du slip. Faut vraiment qu'il y ait un item excellent pour que je le fasse. Hein. Sinon c'est nope. Alors le pola... Ouh, oui c'est pas mal ça. Sacrificial dagger. Putain, y'a Proptosis. Oh putain. Y'a Proptosis. Y'a Proptosis. Attention, il y a monstre 2. Il y a monstre 2. C'est le moment où tu vois pas où est le boss. Après, tu te dis il est où ce sac à merde. Alors, par contre, ouais, non, je vais plus me mettre. En haut, au cas où il y a The Bloat qui apparaissent. Non, c'est bon. Je me méfie de The Bloat. Faut se méfier de The Bloat, toujours. Non, danger numéro 1, lui. Oh, bouger. Mais bon. Bon, pour l'instant tout va bien. Oh putain, il y en a deux, c'est vrai. OMG. Oh merde, peut-être mourir. Oh.
à moins d'avoir une carte, une TP, je sais pas. Bon, le plus dangereux là, c'est lui, clairement. Je sais pas où il est. Ok, il y a The Block là. Le danger numéro 1, c'est The Bloat. Voilà, c'est bon. On a écarté la mort. Bon, la mort peut toujours être présente, mais... moins. Alors, prends pas trop de risques. Alors, lui, le danger, là, c'est Ragman, parce qu'il y a des trucs à toute chercheuse. Voilà. Ok. Pour l'instant, tout va bien. Tout se passe bien. Ok, danger d'Adi. Déjà ? Nice ! Bon, on va prendre ça parce que c'est un damage up. Eh, comment j'ai GG de ouf. Bah, j'ai ouvert tous les coffres, a priori. Bon, bah, cassos. C'était quand même tendu, hein. Je veux pas dire, mais... La vache. Viscus. Ah, d'un coup, là, le jeu me paraît facile. Oh putain. Oh vas-y, dernier challenge. Oh. Je fais le... Ah, ça peut être bien ça, le second end. À la place du counter fate. Bon, vas-y, YOLO. C'est le dernier challenge, YOLO, je fais le boss rush. Tout ça parce qu'il y avait Proptosis, hein. Sinon hein, j'aurais pas fait. S'il n'y avait pas Proptosis, je me serais tâté quand même. Mais ouais. Ça valait grave le coup. Cet item ? Non, que dalle. FDP. Nice! Double tears up. De quoi être encore plus cheaté. Si on peut encore en choper un pour être au max entre guillemets sans le cancer, etc. Ce serait vraiment sympa.
Ok, cool. Scolex. Ça fait un temps que je l'ai pas vu. Oh, t'es mort. Ouais, Little Steven, écoute. Je dis pas non à une petite aide supplémentaire. Tommy's Paw. Oh, ça va me mettre que à 5, donc ça sert à rien. Je préfère le nécro. Même si je l'utilise pas vraiment. Alors, l'arcade. Oh non, mourrez tous. Mourrez tous. Bonjour, je suis un boss pas beau. On a dû voir une ou deux fois en tant que vrai boss. Yuppie's Tail. Non, ça vaut pas le coup. Crooked Cartridge, nope. Nope, nope, nope. Ouais, des bombes, ok. Oui. Bon, pour l'instant, ça va, on avance dans l'étage. Je pense que je vais vers le boss, là. Pas vraiment à se tromper, je pense, là. Pas mal, Fate's Reward. Je sais plus de ça. Non, putain, non. Oui. Wouah, la sale salope. Allez, toi, tu veux mourir. Allez, lève-toi, putain. Genre. Meurs. Oh fuck it. Vas-y YOLO. YOLO. Blue Bomb. Je vais où déjà? Au chest, ok. BFF, Life Mine. Ah, Télépiles. Télépiles. La bonne daube. Mais je m'en doutais. C'est ça le pire, c'est que je m'en doutais que ça me ferait ça. Quelle était la proba? Mais attends, du coup, comme la fin c'est méga Satan. Comment ça va faire là? Ça va me faire la fin du challenge ou ouais.
Là, je sais pas trop, là. Je ne sais pas trop. On va voir. On va voir ce que ça fera. Bizarrement, je sens que ça va faire la fin du challenge, mais... peut-être pas. Et là, lol, ça softlock le game. Je peux pas finir le challenge. Je rigolerais. On va essayer de trouver la secret quand même. Bizarrement, je le sentais tellement venir le télépilote qui allait me TP dans la Error Room. Je le sentais, quoi. J'ai eu une chance de folie depuis le début. Je me suis... ça va me téléporter là-bas. Bingo. Ah, bah tu sais quoi, au pire... étant donné que je suis vraiment pas sûr que ça va marcher, on va se give le négatif. On va se give le négatif. On va changer l'item qui est là. Et alors, où est Isaac? Parce que sinon, je sens que ça va arrêter le challenge à cet endroit-là. Alors, the négatif, t'es où dans la liste, connard? Parce que là j'ai lancé Cheat Engine hein, pour me donner. Hein. The négatif. Voilà, donc j'ai le négatif officiellement, voilà, hein. Sur le menu pro ça s'est vu. Alors, comme ça je suis sûr de pouvoir faire la suite. Mais je me doutais que j'aurais dû me prendre le négatif dès le départ, hein, mais bon. Je me suis dit, mais non, on va faire le chest. Fallait faire un négatif. Bon, du coup, Anathema, bonjour. Si je le sens pas, je peux toujours me TP. Non, c'est bon. C'est bon. Du coup, pff, la vache, c'est un challenge, mon gars. Après, il y en a qui vont dire « Ouais, mais Erwan, t'as triché, nanana... » Ouais, mais écoute, est-ce que tu veux avoir une fin pourrie sur le boss précédent, ou est-ce que tu veux avoir une fin épique sur Mega Satan? Voilà. Y a pas à tortiller du cul, là. Hein. D'ailleurs, oui, très lol, hein, je peux avoir la kipis, là, mais bon, c'est pas grave. C'est parce qu'en fait, dans les challenges, c'est codé en tant que si ça se finit à Mega Satan, ça te donne la clé dès le départ, donc... bon. Oui, on va l'utiliser même si ça sert à rien. Les autres, je vais pas les prendre. Je sais pas, on aura peut-être une rune. J'espère. Mongo Baby et Mr. Boom, Osef. En plus, j'ai la Guppy's Tail, hein. Je le rappelle, pour ceux qui ont oublié. Défonçage de boss. Merci pour le quarter, mais ça servait à rien.
petit item. Yeah. Le bomb bag à la liche. Oh putain. Ah 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 ah. J'ai failli crever là, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais... Moi je dis YOLO, hein. Pour ça que j'ai pris les pécacs. Hein. Ouais, c'est bon, tout va bien. Le host hat, c'était l'item qu'il fallait avoir. Tout va bien. C'est bon, Poyolo. Poyolo de ouf. Bon, pas trop non plus là parce que. C'est fantôme de merde quand même. La Crystal Ball. Oh. Two of diamonds. Utilité totale. La Pokéball. Pokéball, go! Je sais pas si je l'ai eu. Peut-être. Oh, ça peut être très très bien ça. Le téléport là. Pokéball, go! Oh putain, pyromaniaque. Et le glass cannon, mon gars, le glass cannon. Le glass cannon. Un item qui n'est qu'utile qu'avec The Lost maintenant. YOLO! Oh putain! Oh la grosse lame! Wouah, ça fait un instant de boom. C'est moins bien que ce que je pensais. C'est même tellement trop gros que ça explose instantanément et ça fait aucun dégât. C'est dommage. C'est très dommage. Bon, on va reprendre le Guppy's Head du coup. Mais si j'avais pas pris le IPK, ça aurait été n'importe quoi. C'est que j'ai des tirs qui sont noirs, c'est pas normal ça. Alors, tempérance. Tempérance ta mère. Strength. Oui, c'est toujours. Regardez l'ermite pour l'instant. Vraiment dans le mode emergency. Alors, deux clés. Voilà.
Ouah. T'es mort. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des items. Des items pourris. Alors, on va éviter de mourir sur les flammes quand même, ce serait sympa. Tough Love, nice. Je crois Tough Love, le max c'est à 7 ou 8 de luck. Bon bah ça doit être à 8 alors. Ah, le Anarchy Cookbook ça peut être bien. Oui, je le prends. C'est pas mal. J'aime bien. Pourquoi je perds des damage à chaque fois que je rentre dans une salle de fuck? What? Pourquoi donc? Bon, je ne sais pas. Osef. Ah oui, il y a ça. Ça d'abord. Voilà, Guppy's Airball. Je suis Guppy. J'ai failli l'oublier. C'est pour ça que j'ai revérifié les salles. Ok. Non, c'était quoi? Monster Manual. Ok, Osef. Oh, Omega Satan. Hein? Puis on va prendre tout ça. What the fuck? Il y avait quoi ici? Ok, bon, Osef. Mega Satan. Oh là, oh, les stats que j'ai gagné. J'ai une stat de tierce de 2. YOLO! Bonjour Mega Satan. Comment ça va? La puissance de la mort explosive. Eh bah c'était vachement drôle, hein, franchement. Wouah! Eh, franchement, pour un dernier challenge, truc de ouf. Hein. Franchement, truc de ouf. Alors, juste un petit truc, peut-être le mec du mode aurait dû faire, c'est nous obliger de passer par soit la cathédrale, soit par Sheol, parce que sinon, on est bloqué, hein, enfin... Peut-être pas, ça fait peut-être la fin du challenge, mais ça fait bizarre. Bref, bah voilà, gagné. Ah, putain les gars. Les gars. Ce mode. Alors, vas-y, on va refaire un petit tour sur les challenges. Honnêtement, à part... Bon, Backfire était relativement cancer... What Goes Around était ultra cancer avec le... Alors, pour ceux qui se souviennent pas, Backfire, c'était le number one avec le monstros, le Bob's Brain, etc. Le truc tout pourri avec les monstres qui explosent. What Goes Around, c'était avec le boomerang. C'était tellement naze. C'était naze à chier. The Nest, fallait compter sur Daddy Longlegs, c'est tout. Et Big Spender, c'est le seul challenge que j'ai pas réussi. Juste parce que je suis mort, en fait. Celui-là, je l'ai pas racheté parce qu'il est faisable, hein. Mais honnêtement, tous les challenges de ce mode sont juste géniaux, quoi. Et n'empêche, le dernier, il est juste ultime, quoi. Wouah! Mais franchement, honnêtement, là, après avoir torché le mode dans tous les sens, tout...
tous les persos sont bons, quoi. Tous les persos sont cool, tous les persos sont sympas à jouer. Hein, spécial dédicace à Jaina parce que c'est un Eden puissance 1000, quoi. Franchement, super bon mode, quoi. J'ai vraiment rien à dire. Voilà, écoute. Du coup, hein, comme je fais un petit récap sur le mode... Ah tiens, d'ailleurs, attends. Parce qu'il y a peut-être des items qu'on n'a jamais vus, en fait. Tamispo qui a été changé. On va regarder ce qui a été changé, exactement. Parce qu'il y en a plusieurs. Voilà, tout ce qui est là, en fait. Broken Crucifix, Rotten Fruit, Goodie Bag, Breakfast, Rotten Meat. Ah tiens, il a pas changé ces deux-là. Mais je crois que c'est les trois qui ont été changés, il me semble. Il y en a peut-être d'autres. Il me semble pas. Parce que généralement, c'est les HP Up qui ont été changés dans ce mode. Ah si, il doit y avoir des items d'Angel Room qu'on n'a jamais vus. On va regarder vite fait quand même, parce que c'est... Tiens, regarde. Ça, c'est la Mom's Knife. Ouais, on va checker vite fait les items, parce que on les a pas tous vus au final, il y en a peut-être quelques-uns qu'on n'a pas vus. C'est intéressant de savoir en final. Pour savoir ce qu'on n'a jamais vu dans ce mode encore. Parce que vous en doutez, c'est le dernier épisode sur ce mode du coup. Hein, demain, je vous mettrai un petit nouveau mode pour les jours de Negel. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? Bah vous verrez bien. Vous verrez bien. C'est une surprise. Ça va être, je préviens, ça va être très what the fuck. Ouais. Ça va être relativement drôle. Et on restera sur du coup le prochain mode. Ah tiens, il y a ça. Amodesus Horn, Eternal Life. Je crois que ça remplace Lazarus Rags. Du coup, ouais, le prochain mode, on va y rester jusqu'à Afterbirth Plus. Donc pendant une bonne semaine, quoi. Un peu plus. Scatter Bomb. Bah, y a pas d'item d'Angel Room, du coup. Ah, Zodiac, il a changé de couleur. Alors, soit y a pas d'item d'Angel Room, soit j'ai pas fait attention. Non, j'ai cru que le fruitcake c'était un truc spécial. Ouais, bah, y en a pas d'autres en final. Y'a que 2-3 items de Devil Deal et les items de HP. Ok, bon bah écoute. Et ça, la Tamispo à la place de. Du Sadonian. Bon bah voilà. Et ben. C'était le mode hérétique. J'espère que ce mode vous a plu. Honnêtement, c'est un des. C'est même le meilleur mode du jeu. Bah du coup, je vous donne rendez-vous dans le prochain mode. Dans cette run 117. Donc du coup je vous dis salut à tous, à la prochaine et ciao ciao. Oh yeah.